Voilà ce que beaucoup doivent penser. Dans l'économie d'aujourd'hui, on se soucie plus de la santé du travail que de la santé au travail. Personne ne doit imaginer que nous prenons la mesure des risques, des pressions et dépressions qui touchent nos sociétés et la société. Les gens doivent se dire que nous sommes dépassés de toutes parts par l'accélération de la mondialisation, de l'ubérisation, de la robotisation. Il serait faux de croire qu'il existe encore une médecine indépendante qui s'engage, milite, agit et protège la santé au travail. Mais au pôle santé-travail, nous avons décidé de renverser la situation, fidèlement à nos racines, à notre histoire et aux valeurs qui nous animent. Il existe encore une médecine indépendante qui s'engage, milite, agit et protège la santé au travail. Il serait faux de croire que nous sommes dépassés de toutes parts par l'accélération de la mondialisation, de l'ubérisation, de la robotisation. Les gens doivent se dire que nous prenons la mesure des risques, des pressions et dépressions qui touchent nos sociétés et la société. Personne ne doit imaginer que dans l'économie d'aujourd'hui, on se soucie plus de la santé du travail que de la santé au travail. Voilà ce que beaucoup doivent penser. Pôle Santé Travail, dans un monde qui change, doit changer et veut changer, c'est à nous de changer les premiers. Ensemble comme jamais, autour de nos médecins et dans l'élan du projet humain, que nous écrivons comme nous le vivrons, en équipe, avec et pour tous nos publics. Ensemble, imaginons pour les 10 ans à venir, le pôle santé-travail, nouvelle génération. Quand à nouveau, santé et travail se conjuguent et se vivent en duo, ensemble comme jamais.